Grande preview en 30 jours. Le retour À peu près une par jour. Yes En moyenne. La meilleure série du YouTube, Game NBA, est de retour Il paraît. Eh Il paraît. Oui. Comment ça va, Alex Ouais, ça va très bien. Ça, ça annonce une bonne nouvelle, le début des previews. Ça annonce quoi comme bonne nouvelle La saison NBA qui reprend dans un mois. Allez, réfléchissez. Hein ouais, ouais. pas mal. Ah oui La saison qui reprend donc dans une trentaine de jours. Et donc, chaque jour, on, on va vous sommeil. faire. Ton sommeil La preview, exactement. Vous préparez ouais. le marathon, le ton sommeil du de côté tout à fait. Et chaque jour, on va vous faire la petite présentation d'une franchise. Les anciens qui connaissent cette série, évidemment, régalez-vous, on fait la bise en espérant ouais. que vous passé un bon été. Exactement, hein à vous éclater avec votre franchise préférée. Les Shadow de Talker. Voilà, exactement. On fait au qui passage. pourrait faire l'objet d'une d'une preview ah, un peut jour. Hein. peut-être la uh -huh. 30e franchise NBA, peut-être, on en profite pour faire la bise à Léon, qui va s'occuper de tous les petits visus de votre live pour les 30 prochains jours, n'est-ce oh. pas Et donc du coup, on sait aussi qu'il y a des nouveaux qui débarquent un petit peu sur Alors, la si chaîne au Des Exactement. Aujourd'hui, grosse franchise. Ouais, aujourd'hui on démarre avec du lourd, <laughs> mais avant de commencer de parler des Hooks, euh, plusieurs petits points. La première c'est qu'on va vous présenter les rubriques, parce qu'il y a plusieurs rubriques, donc les anciens, vous inquiétez pas, vous connaissez ça. Bien évidemment Alex, on commence à chaque fois avec le coup d'œil dans le rétro. On regarde ce qui s'est passé la saison précédente. Ensuite, on fait le marché de l'été. On enchaîne avec le marché de l'été, c'est-à-dire ah, les, les départs, les arrivées, tout, et tout. Tout à fait. Et là, il y a une petite. Euh... Il y a une nouveauté. Une nouveauté, non ah ouais, une trash -talk, il y a de un nouveau dans le game et tout On a voulu parler un peu stratégie. On s'est dit, on va faire quand même le 5 majeur. Voilà. Euh, vous en avez pas mal parlé la hein, dernière dans les ça commentaires. Ça va bien avec le marché de l'été. C'est assez logique. Tout à fait. Donc du coup, on a dit, nous, ah, on va. Ça nous avait ça, été susuré ouais, euh, l'année dernière. On s'est dit, ouais, c'est une bonne idée. Donc on pourra parler. On voudra bien vos avis là-dessus, parce que sur certaines franchises, dont on n'a va pas parler, les Lakers, et eh ben, il y a des petits duels sur euh, certains postes, Faut tu vois. Pas pas de, hein. pas. Pas de quoi tu parles Après, on enchaîne évidemment avec le trophée du peuple. Non, pardon. Non, non, non. Ça y est, ça prend des mauvaises habitudes. La question de la moërté. La question des adhésions. Tout à fait. Il y a une grande question qui concerne la saison à venir. Ensuite, on fait donc le. Gérard d'or, le trophée du peuple, Exactement. un joueur qui a vous donner envie de regarder cette saison plus que d'autres. Et enfin, on termine avec une grosse friction, un pronostic, du sang sur les murs, tout ça. 24 secondes. Voilà la base. Ils sont prêts Allez. Vous êtes prête C'est parti. Petite dernière info, évidemment. Non, ne vous inquiétez pas. On n'est pas en train de dire que c'est le classement final de la saison à venir. On fait juste des petits plannings de qu'on a envie de sortir. Et dans un ordre quand même plus ou moins oui. des. A priori plus faible ouais, jusqu'aux jusqu Warriors quoi. C'est ça. Jusqu'au Cavs peut-être. On va un changement. Est-ce que les Cavs seront en octobre, en septembre Il y a on eu verra. du changement. <laughs> on verra si on va parler deux. Euh, dans tous les changement. cas, c'est pour ça qu'il y a pas marqué numéro 30 les Hawks et justement, mm. on va parler d'Atlanta tout de suite. On s'installe. Coup d'œil dans le rétro. Ouais. Une saison de transition à Atlanta. 25. 24, 24, 24 victoires. 24 win. victoires. 58 défaites. Bon, bah là, tu tanks. Hein. Tu sors Il faut les dire chenilles. que l'été dernier, t'as tout cassé. C'est ça. Enfin, je veux dire, t'avais déjà perdu à l'heure Ford, t'as lâché Paul Millsap. Dwight Howard aussi. T'as lâché Dwight. Tout à fait, Jeff tu T'as tout, tout lâché. Voilà. Enfin, Jeff Tig c'était ouais, même avant, mais oui, c'est vrai que Paul Millsap et tous les copains, tu ça s'est es barré. Timardou Junior. Et hein. on construit autour. <laughs> Ou traduisons-les, Travis Schlenk qui débarque, ouais, le nouveau manager, euh, ancien des Warriors, il a dit on fait tout péter, ouais. il faut absolument déboulonner cette franchise qui avait euh, quoi, 60 victoires en 2015, okay. et cette fois on va tout reconstruire. Quoi. Ils ont tout reconstruit, ils sont... enfin, même la non, salle. Non, non, non. ils n'ont pas tout reconstruit. Ils sont en train de tout reconstruire, oui, parce qu'ils <laughs> ont tout reconstruit. Ouais, si tu on veux. a reconstruit la salle, la Philips Arena. Je ne sais même pas si on peut dire que vous avez posé les fondations. Non, c'est clair. D'ailleurs, c'est même plus la Philips Arena, c'est la euh, State Farm Arena. Ouais, c'est State Farm maintenant. Bon, il y aura toujours autant, autant de monde, hein. ça va être génial. Peut-être qu'un jour, vous aurez Chris Paul. Peut-être qu'un aura un meneur de qualité. Et justement, on va en parler va parce en parler que cet été, euh, il s'est passé trois choses. Mais Donc, saison de tanking, la dernière notamment de Mike Leonard. Ouais. Euh, C'était combien J'ai dû oh, le Oh, t'es dernier de l'Est. T'es dernier de l'Est. Si, t'es dernier. Ah, si, t'es oui, dernier, t'as raison. Oui, t'es si, pas si, dernier si. de la NBA, mais t'es dernier ouais, de l'Est, voilà. tout à fait. Orlando qui est devant l'Est, mais sinon, t'as tanké comme un porc, t'as fait ça propre. C'était bien. Voilà. Tout ça pour se finir en pick 3 de draft. Tout à fait, en 5-3. C'est quand même pas. Pas mal. Ben oui hein on, a, on a coupé la, la file à certains, ce qui nous a mené à euh... certains petits euh, recrutements et décisions. Exactement. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter Juste que euh, en termes de quand je disais qu'il n'y a rien qui est encore construit... T'as un des pires defensive ratings et un des pires offensive ratings de la Ligue l'année de, dernière. Pas de talent. Je vous sors pas les chiffres, je les ai là, mais ouais. c'est pas non plus hyper intéressant. Je suis un peu salaud avec le defensive rating, c'est parce que vous faisiez de moins bien. Ouais, enfin, vous êtes dans le dernier tiers quand voilà. même. Euh... En fait, à partir du moment où t'es le basketball de Mike Budenholzer, tu joues tous les soirs. Exactement. Donc c'est un tanking, mais un tanking propre. Justement, Mike Budenholzer, ça va nous amener à la rubrique suivante. Ça. Avec sa ça préparation, elle est cette année, ouais. vous êtes même pas ah, prêt. Bah là, ça va, ça va glisser. T'es chaud ouais. On commence par la première rubrique. Allez, c'est parti. C'est l'heure de regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le premier tableau. Cool. Allez, bim Et le premier tableau, cool. oh, bah, tableau Made by Léonce. Oh, ah bah oui, ouais, bah, bah, on, on reprend les, les habitudes. Hein. On est un peu rayou. Rayou rouillé. Et donc voilà, le petit tableau magnifique de Léonce. On regarde ça. Il y a eu pas mal d'arrivées. N'empêche, en scred, il y a eu aussi un petit transfert dont on a parlé. Il y a des joueurs. Mais Alex, je Il y a un joueur qui est arrivé qui est parti tout de suite. Tu veux parler de... Le meilleur score de l'histoire des Hawks. <rire> <rire> Carmelo, Carmelo Anthony, Anthony. C'est ça un peu le gros transfert, évidemment, de l'été oui. du côté d'Atlanta. Enfin, mais... quelque part c'est un gros transfert, quelque part il est anecdotique quand même, oui. si j'ai envie de dire. Enfin, euh, si j'ai envie de dire, je le dis, tu me diras. Mais ah, si j'ose dire... Euh, dans le sens où l'opération, elle est financière. D'un côté, le Thunder... Aussi qui... sportive, hein. on en avait parlé dans un long apéro, mais euh, vas-y, je te assure. Oui, mais dans un premier Tout temps, à fait, financier. pour le Thunder, la base, c'était de se débarrasser du gros salaire de Mélo ouais. et d'essayer de gratter quelque chose. Et ils sont tombés sur les Hawks qui eux, de toute façon, On voulaient se débarrasser des aussi des trois années. On en a fait tout un apéro bien sûr, bien hyper sûr. détaillé, je crois. Ah, là bien si bien, sûr, bien, pas de bien sûr, bien sûr, c'est pour ça. Euh, des trois années de Schroeder. Et en même temps, les Hawks, du coup, ils ont pris Melo et ils l'ont cuté direct. Cuté, merci, au revoir. On lui a juste envoyé le maillot par, par Fedex. Et ils terminé. ont les 28 patates de Melo dans les books cette année, mais ah, ils s'en foutent. Avant, ça tout rend ça ah, comme ça. Surtout que, comme je disais, Travis Schlenk a vraiment envie, dans la reconstruction, d'avoir des contrats très courts. Il y a d'autres copains qui vont y passer, notamment la casserole. Contractuellement, financièrement, c'est le c'est les deux plus gros aspects de ce deal après au niveau sportif bah oui le contractuel et le financier influent de fait sur le sportif, mais dans un premier temps, c'était surtout de l'opé financière. C'est ça. Et d'ailleurs, chronologiquement, on l'a fait un peu à l'inverse, puisque l'été démarre quand même avec euh, deux trois gars oui. qu'on doit mentionner. Il y a quand même un nouveau coach, Lloyd Pierce, qui Déjà. arrive. Euh, Donald O'Leary euh... remercié. Voilà, enfin remercier remercié d'un commun accord, Comment, plus quoi. ou moins. Ouais, ouais. Non, ça c'était vraiment comme un accord pour Lloyd le coup. Lloyd Pierce, si je dis pas de bêtises, son premier poste euh, en tant que coach head principal. Head coach. Tout à fait. Mmh. Il était assistant de Brett Brown à Philadelphie. Mmh. Donc là, et après le process, il va essayer de faire le, le, le grossesse. Mmh. On va voir à Atlanta ce que ça va donner, parce que ça va être un peu compliqué. Hein, on n'a pas joué à ni pour et ensuite il y a quand même une draft et il y a une draft et donc là évidemment ça a créé les euh, même. ouais ça hein? crée pas mal de buzz notamment puisqu'il y a la sélection de Young euh, dans un transfert avec Dallas pour enfin, essayer de, de, si de... oui qui est filé à Dallas contre Treyang et, et, et un le tour de draft de l'année prochaine qui sera protégé. On verra en fonction des résultats de Dallas. Tout à fait. Mmh. Donc ça, Treyang, c'est ce qui a créé le plus de bruit, de discussion parce que tu laisses passer quand même uh, Doncic uh, qui était considéré et qui est encore considéré comme la pépite de cette draft 2018. Il y a des petits gars qui sont arrivés, mais à la limite, même pas besoin de parler de Kevin Werther et d'autres, il y a quand même des gars, des vétérans. Et ça, moi, personnellement, je t'avoue que j'ai assez bien aimé. Sur le côté, on va entourer quand même les minots de certains gars Jérémy Lynn, Vince Carter. Tu mets des gars qui connaissent la ligue. Ouais, euh, c'est pas vous qui avez récupéré. Euh, attends, bouge pas que je dise pas de bêtises. Euh, oui. Alex Lane, c'est chez vous aussi. Oui, voilà, bon, après, en vétéran. C'est euh, pas un vétéran. Euh, c'est un peu de talent. Mais. Voilà, c'est un joueur qui peut servir. On a fait des affaires ensemble. Il peut peut-être se développer un peu, même pas. Je crois qu'on n'en voulait plus. Nous, vous avez filé quelque ouais, vous, chose. Non, non vous l'avez laissé. Ah, vous vous Allez-y, prenez-le. Voilà. Euh, n'oublions pas non plus que dans le trade, dans le bricolage autour de Melo, il y a Justin Anderson qui a atterri ouais, à Atlanta. À il y a Mike Mouskala. Pendant que Mouskala oh filait, filait oh à Philly, filait à Philly. Tout à fait. Hein non, non, oui, elle est très belle. belle. Mais ouais. c'est Muscala, hein, c'était une des idoles de, de la Philippe Sarana et des nombreux fans d'attentat. Donc, du coup, rajeunissement, enfin, rajeunissement, c'était déjà très jeune, mais on y va encore dans le jeunisme. Oh. L'idée claire, pour moi, de ce marché de l'été, c'est de travailler autour de triangle tu essayes voilà on tu as, mise dessus, tout à fait tu as besoin d'une espèce de, de star potentiel sur laquelle miser on va voir ce que ça va donner évidemment on va en parler en loin en large de triangle mais il est vrai que là euh, comme tu le dis euh, comme tu le dis bien c'est on redémarre de zéro et au lieu d'avoir fait une équipe hyper collective comme on a vu en 2015 là on essaye de voir un gros talent on va te construire autour de lui il a un bon partenaire de pick and roll on va en parler aussi en mm -hmm. John Collins il y, a, il y a du backup voilà en backup tout voilà. à fait il y a eu pas mal de clins d'œil aussi à la draft à la Warriors entre guillemets parce que Kevin Werther fait penser mm -hmm. aussi peu entre guillemets. Hey, on est sur les, les splash bros du pauvre, hein, Vitef, hein. de Lidl par rapport à Monoprix sans vouloir faire de comparaison. Vitef. Mais pour le coup, c'est un petit peu la, la directive qui est prise euh, et ça, ça ne peut que mener, entre guillemets, on va en parler après dans le politique aussi, une sorte de tanking 2.0, puisque nouveau coach et des jeunes, je ne te, je te fais pas la leçon. Clair. On va peut-être s'intéresser vite fait à justement comment il va s'organiser l'autre pierce, comment il va s'organiser l'autre pierce là. Tu veux qu'on démarre tout de suite avec la nouvelle rubrique Ouais, le, le Starting 5, qui nous a été préparé par Léon, ah, c'est ben ça bien sûr. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur des Hawks. Bon déjà il faut mettre 5 joueurs sur le terrain. Oh ça va On va se démerder. Ça va pas gagner beaucoup de matchs. Non mais on va Mais tu des vas des jouer. Tout à fait. Regarde. Young, Ken Besmore, Torian Prince. Jérémyline, Jérémy Lin backup. Ah, ouais, ouais. ah d'accord. Vas-y donne moi ton 5 Triang ouais. Ken Besmore ouais. Torian Pins, Torian Prince ouais, c'est ouais. ouais, un Pince, ça. <laughs> John Collins ouais. et qui tu veux au pivot Deadman ou, ou Alex Lane ou ouais. qu'est-ce que vous avez d'autre non, non, c'est ça, c'est Daniel Vous avez, avez Plumley aussi, ouais. c'est quand même la classe. Qui va partir d'ici. Bon, bon, moi mon moi je dirais Plumlee. que... Il va partir Miles Plumlee. Enfin, il va être, on va en parler après, mais ça va faire partie des gars Ken mort. Toi tu le mets dans le 5, il y a moins qui ne fasse pas euh, ne serait-ce que l'automne le, à Atlanta quand même. Ah, peut-être dans un trade. Moi je fais un 5 aujourd'hui, là, au moment où on tourne la vidéo, là, ça clair. Euh, euh, bon, pour moi, s'il est encore là en début de saison, tu peux le mettre titulaire en 2. Oui, oui, oui. Puisque je pense que, quand même, tu vas en avoir besoin Bien pour sûr. défendre. Mmh. Ah oui, avec Torian, Travian, pas de problème. Voilà. Alors que sinon, tu vas te retrouver avec du Triangle et Jeremy Lin. Non. Il y aura certaines séquences comme ça. Ah oui, des séquences, oui. Des short back course comme ils en ont déjà parlé un petit peu avec Lloyd Pierce, de voir un peu ce que ça peut donner. Mais il est clair que même si ça a été mentionné à la fois avec. Avec quoi. Oui, voilà. Avec du Triangle qui. est d'ailleurs, Triangle être aussi en catch and shooter donc on va voir ce que ça va donner mais oui toi ton 5 c'est celui là il ressemble quasi sensiblement au même euh, je pense quand même que vers, le, vers la suite de la saison euh, en faisant très attention au, au contrat de Ken mort parce qu'il était déjà annoncé dans toutes les rumeurs de transfert avec euh, Houston ouais, et sauf tout. il n'est pas si simple que ça à, il est pas si sympa à transférer il prend est 17 clair, hein. patates hein. ouais non c'est sûr mais je crois que, que Jérémy Lynn pourrait être potentiellement titulaire je pousserai même le bouchon un peu loin pas étonné si, euh, si le premier mois de compétition très long sort du banc OK, oui, avec Germine en starter. Euh, Calmos, le mec, c'est une brindille, euh, il va prendre cher euh, dès le début, euh, Triangle. Donc, euh, je serais pas étonné si Germin serait titulaire, mais bon, quand même, vu que tout, tout, tout est misé sur Triangle, ils vont probablement le mettre en scène. Après, tu as des petits joueurs que j'aime bien pour faire tourner sur les extérieurs. Moi, Justin Anderson et DeAndre Bembry oui, j'ai envie de les voir euh, se développer. Ouais, Vince Carter, il va avoir ses 15 minutes. Hein. Vince Carter va jouer un peu, donc Vince Carter, on rappelle, hein, il va avoir 42 ans en janvier Cinqui... prochain. 52 ans. Hein. <laughs> 52 ans. Donc, il, donc, il va, va, va encore va. faire péter les 3, des 3,60 euh, à l'échauffement, au là, calme. À la State Farm Arena. Vous avez le gars là, au Marie Spellman c'est ouais, un 4-5 il va être 5 dans la NBA je pense au futur il, il jouera 5 ouais, un peu au des 5 entre Deadman, Plumley et Alex Lenn vous êtes déjà ouais. voilà. non, non c'est déjà chargé mais ça il y a moyen que Spellman fasse un peu la, la G-League aussi ouais. euh, donc on va voir ce que ça donne sur son dossier mais euh, sur l'axe la, la, notamment intérieur, faudra surveiller certains gars euh, à Atlanta au niveau de leur contrat. On est d'en parler, non seulement Ken Macemore, mais même Dwayne Denman, euh, ouais. qui lui ah, aussi, oh, dans sa dernière année de contrat, il a signé deux ans. Ouais. Pas étonné, on en parlait en off là. Si Atlanta fait euh, merci, euh, Dwayne, ouais. as fait deux Ciao. bonnes saisons, Ciao. parce que, que, que l'autre il met ses shoots à trois points maintenant. Ah, non, il a fait deux bonnes saisons. Un années. bon défenseur, avant il était à San Antonio. C'est à moins que tu récupères un second tour de draft ou je sais pas quoi oh, contre. Oh, ouais. euh, ce serait pas étonné qu'après Alex Lane termine en starter. Ok, et euh, Thomas Robinson Vous l'avez pour le camp Ouais, pour le camp d'entraînement. On va faire jeu. D'ailleurs, si vous avez du temps en octobre, allez-y. Hein. Faites le camp d'entraînement. Nous, on prend tout le monde. Ouais, Moi, j'y serai. Je serai à la State Farm pour jouer. Non, mais voilà à peu près pour les rotations. Hein. Dernière petite question. Tyler Dorsey, c'est un mec que vous allez faire jouer ça On va essayer. Il a été bon en Summer League. C'est pour ça que je demande. C'est pas mal, mais euh, je pense que sur Ça, c'est son... un 2, c'est un 3 C'est un 2. C'est ouais. un combo 1-2, un, mais je pense qu'il est clairement derrière Jeremy Lynn, ça c'est sûr. Oh, oui. Et euh, Est-ce et... qu'il est devant Werther Et c'est ça. Je pense que si Kevin Werther euh, se remet bien de sa blessure à la main et qu'il joue bien et qu'il snipe, euh, il va vite prendre si S'il y a un spot. trade de Baysmore. Peut-être Tyler Dorsey peut se récupérer du temps de jeu en fait. Ouais euh, ou ce sera Jason Dumont là qui sera en deux, on verra. Ouais. On verra. En tout cas ce qui est sûr et certain, on est d'accord sur les Locks. Il y a John Collins et Torian Prince, ça c'est sûr. ça C'est du temps de jeu, c'est titulaire. C'est titulaire, c'est 30 minutes. Et Young même s'il si n'est pas titulaire, il va avoir du il temps va de avoir jeu. Son hein. temps de jeu, ça fait Ouais, pareil. Ouais, Jérémy aussi en attendant de voir comment il se remet de sa blessure, mais voilà un peu pour le 5 majeur. Ouais, ouais, ouais. On est à peu près d'accord. Ouais ouais, c'est ça. On enchaîne sur la grosse question de la mort. Une grosse question sur la saison des Hawks Allez, c'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort Quelle est-elle, cette euh, belle question Première question de la mort, Alex qui s'est fou de ma gueule Parce qu'il sait qu'on parle des Hawks, <laughs> je me permets quand même Eh bien en juin dernier, euh, les Hawks sans le vouloir Ont fait quand même le buzz sur la draft Parce qu'ils ont décidé, après les Kings De ne pas sélectionner Luka Doncic mmh. Et c'est un transfert en récupérant triangle ils ont euh, eu la bonne idée, surger. au moins eux, de gratter un tour de draft. Au moins, t'as vu, on a fait ça propre. <laughs> on pourra avoir quand même deux picks dans le top 10 de la draft, deux années et tuit. Bien sûr. Non, mais, mais voilà. La chance c'est pas mal. délicat ça ouais. Sacramento. Ouais. <laughs> euh... Sacramento qui n'aura pas de tour de draft. Et pas de euh... de... Ah, voilà. bon, ouais. On va en parler. Mais pour le <laughs> coup, Atlanta qui a créé un petit peu le buzz, le bad buzz là-dessus, parce que beaucoup de monde a réagi en disant. Est-ce que ce serait pas et ça c'est la question à la mort Est-ce que dès l'année 1, les Hawks vont regretter de ne pas avoir pris un gars comme Luka Doncic qu'on va voir probablement s'éclater à Dallas alors on rentre un peu dans la preview des Mavs hein, là aussi, mais euh... on va rester sur Atlanta mais oui mais clairement. oui non mais tu vois ce que je veux dire Bien alors sûr. déjà j'ai envie de te répondre bah c'est clair que si l'année prochaine si dès l'année prochaine Doncic balle en main il fait 8 passes d'aise par match et puis qu'il y a 14 points. 15, Il y a 6 hein. Et que Daz va en playoff <laughs> Oui, bah oui, tu vas regretter. Qu'est-ce que je te dis oui, Bien sûr, on y va en courant. Non, mais tiens, oui, bien tu bien vas sûr. regretter. Si 6, c'est une machine à highlight, mais qu'il a un peu de mal physiquement, certains observateurs américains le disent et tout. Et puis que pendant ce temps-là, vous, vous avez un triangle qui se développe et puis qui arrive à prendre feu de temps en temps, qui fait le spectacle et tout. Et que du coup, vous avez le tour de draft des, des Mavs. Donc je crois que c'est de protéger un 5. Je crois que en gros entre 6 et 30 il est pour vous ouais. ce qui est tout à fait envisageable pour les MAF d'année prochaine euh, si c'est ce cas là, le deuxième là, que je viens de citer, bah non ça, ça tiendra la route, moi je dis en fait pour répondre à la question de la mort je pense pas qu'on saura l'année prochaine. On est d'accord. Je pense que c'est un truc en... qui demande du temps. En 2021, ouais. là on pourra faire un vrai si point. Si c'est Stephen Curry, on dira, oh, bien joué voilà. les Hawks et si, si c'est Jimmy Fredette... Ah euh... là, voilà. si c'est Jimmy Fredette, on sera là genre oh, là, là, là. pendant que Doncic il est All-Star, dire dans tu la, vois, la poche arrière. Tu vois qu'il ah, est All-Star et tout, là on ah. sera là genre "Tu quand sûr. les Hawks ont pris Trayang à la place non, de Non, c'est ça. Genre ça serait une punchline. Bien sûr, mais ça peut être Mais dès l'année prochaine, je suis pas sûr qu'on va être aussi aussi sûr de nous dès la saison qui arrive. Mais c'est bien, tu vois, c'est important qu'on mentionne ce point parce que évidemment avec les rookies à chaque fois on a le buzz, on l'a vu avec la saison dernière. Normal. Et c'est normal, dès le premier match, dès le premier match, moi je préfère l'annoncer tout de suite en vidéo pour que ce soit en archivé. Dès le premier match à 7 balles perdues ou à 3 sur 13 au show de Triangle, il va y avoir, et c'est normal, des punchlines sur vous aurez dû prendre Lucas. Ah oui, bien sûr. Et ça fait partie du jeu. Mais je pense qu'il faut... Être assez patient, même en termes de NBA ready, les deux joueurs ne sont pas pareils. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Ah, je pense que Doncic, Luca est prêt plus ready, tout à fait. Beaucoup plus ready que un triangle. Après, euh, c'est aussi des histoires de potentiel, c'est aussi des histoires d'adaptation à la vitesse de jeu euh, actuelle de la NBA. Et c'est des histoires de marketing. Et puis après, c'est des histoires aussi de talent, quoi. De talent donc et qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, genre ça se trouve les deux vont, vont rien faire. Ça se trouve, les, les deux, deux noms être des stars. Bon, ouais. stars. Ah, ça se trouve, Young Et eh bien comme tu disais, ça va être Jimmer Fredette Pendant que Luca Donsich, bah lui, il regarde droit dans les yeux les meilleurs créateurs de ah, la Ligue. Donc, ouais, forcément. Mais donc, Mais il faut être patient sur il la faut première voir année. comment le talent va ça. va se développer. Surtout que il y a un aspect dont on avait parlé un petit peu euh, tout au long de l'été, c'est le marketing. Euh, certaines personnes aussi ont oublié un petit peu de, de, de mentionner ça, c'est que à Atlanta, on pas de faire des punchlines sur le public. Il n'y a personne dans cette putain de salle. Trey Young, on peut discuter autant qu'on veut. C'est le joueur le plus hype de la, de la Draft 2018. Mm -hmm. C'est un gars qui, dans son type de jeu, peut ramener des gens, peut créer la hype sur YouTube. C'est lui qui a le plus de vues de sa QV de rookie. Donc il y a un aspect aussi important à prendre là-dessus. C'est que nouveau management, nouveau propriétaire, il y a une envie aussi de donner le temps à Lloyd Pierce et à Trey Young de créer au moins une base. Pour voir si, dans deux ans, ok, si ça se trouve le mec, ce sera une chèvre. Mais s'il est vraiment bon dans la NBA actuelle qui a besoin de snipers et de distributeurs. Oui. Ce sera peut-être voilà. pas la même question. quoi. Donc, voilà. patience. Patience sur les 9 prochains mois et surtout au niveau de la draft. Si en fait, si les Mavs se récupèrent le pick 4, là je pense qu'on l'aura dans le cul. Ah bah oui. Là, on l'aura dans le cul, mais profond, tu vois. Oui. Parce que par, par, contre, par contre, si t'as êtes... si si Triangle et que derrière. Si vous avez, vous, votre propre pick dans le top 3 et que derrière, et derrière vous récupérez 6. le pick des Mavs, en même en 10. Hein, ouais, voilà, en 10, ça ira très bien. Moi, hein. je suis très content, tu vois ouais. bien sûr. Donc, patience un petit peu, mais évidemment, n'hésitez pas à balancer des punch C'est limite le pire que qui puisse titre. vous arriver, vous. Scénario bad trip Donc si je rate sa première saison Les Mavs tankent comme des gros porcs Avec un pic comme tu viens de dire 3 ou 4 Par contre dès la deuxième saison Donc si je au mort et commence à tout bien sûr est tarée et tout Ça c'est un scénario de merde Ou alors les Mavs tankent allez-y et vous êtes 6ème 6ème pic Attention parce que si tant tankent ça peut aller très vite ça peut aller très vite ça, dans les profondeurs. Hein. On verra. Dans, dans tous les cas, sont... voilà un petit peu pour la question de la mort. N'hésitez pas à y répondre parce que le duel des rookies va être assez ouf là-dessus entre les deux franchises. On va devoir enchaîner. Allez, avec le trophée du peuple. Ah bah oui, c'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, le le Gérard d'Or. Je Ouh. le donne à Alex le premier. Attention, ah, le premier, le premier, Mac premier Mac League, bac de Madame la C'était chaud, tout. Ouais, Ça à moitié vrillé et tout, c'était chaud. T'aimes bien faire ça sur les franchises, ça me vénère ouais, C'était chaud ça. Le Gérard je l'explique un peu rapidement pendant que Alex nous polie le Gérard Dor. Nous sommes donc à State Farm Arena. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Il est 1h du matin. Et pour chaque franchise, on va essayer de prendre un joueur qui va nous faire cliquer un petit peu sur les Hawks. Bon, moi, je vais me taper les de matchs. Mais toi, Alex, qui va te faire cliquer sur les Hawks Je vais pas Hawks me taper les 82. Matchs. Non, le moyen, Mais non. Euh, je vais prendre John Collins. Tu en avais parlé l'année dernière. John Collins Juste avant sa saison de rookie. Oui. Euh, je prends John Collins cette année parce que, bon, bah déjà l'année dernière, elle nous a montré que c'était un bon petit joueur à On cliquer pour le League Pass. Déjà en termes d'explosivité, de détente et de sens du, spectac du spectacle, pardon, au Pépère, il se pose là. Il y a une dizaine de mecs qui ont pris poster. Ouais. Mais en plus, autant j'ai pas trop aimé, et il peut travailler la dessus c'est un jeune et tout, son placement défensif, sa rigueur, euh, quelques errants, c'est-à-dire qu'il peut mettre des gros contres. Par contre, tu peux aussi driver avec le mec derrière un écran, ah, et ah, y a ah, son ouais. Pourtant, mais son genre, rating il individuel était étonnamment il, il est bon, euh, bon, mais, mais, mais bon, c'est Il y a du boulot, ouais, voilà. les ratings individuels, il ouais. faut faire très attention, parce que ça dépend aussi, des comme il a beaucoup <laughs> joué avec les titulaires, <laughs> euh, il avait souvent Basemore, Torian Prince et Edmond autour, par ah, exemple. Clairement. Ça aide. Hein, ça aide ton non, il a des progrès à faire. Donc, il y a des progrès à faire. Par contre, en attaque, j'ai trouvé assez intéressant. Il y a un bout de shoot à 5 mètres. Il n'y a pas toujours les meilleures décisions, mais ça reste quand même un joueur. Que je trouve assez propre. Rebond. Il croque pas. Rebond défensif-offensif, clairement. Est, il, il est ouf. hyper intéressant. Énormément d'énergie. Et donc, cette année, c'est mon gérard d'or parce que tu as Jérémy et Trey pour faire des brèches et toi, rouler vers le cerf ou sortir en pick and pop. Mmh. John Collins, cette année, peut te mettre 15-16 points de moyenne ah, ouais. avec des bons pourcentages au tir Tout à fait. parce qu'il va être servi et ça pourrait être une bonne, très bonne deuxième saison pour. Pour Continuer la, la, la progression de ce jeune qui, à mon avis, a quasiment toutes les qualités qu'il faut pour euh, s'installer et être un bon joueur sur une belle carrière dans la NBA moderne. Euh, Claire et en voilà. plus, il mettait des 3 euh, un petit peu en fin de saison parce oh, qu'il tape son shoot. Il a le shoot. Donc, il peut se ça un petit peu, c'est pas mal. Il pas a le shoot, maintenant, faut il faut qu'il s'entraîne un peu à poser un dribble parce ça. que ah, c'est une catastrophe. Il n'a pas de jeu au poste, mais pff, on a bien vu qu'un poste 4 aujourd'hui peut vivre oh, sans jeu au poste. À il à roule, il pop. Ah bah, il a un peu de amarré en lui. Il anglais, roule, il pop, il se bat au rebond. Il a un peu d'amarré en lui, hein. ouais. Il a de ça, il a de ça tout à fait. Bah, je lui souhaite un hein, mineur, je souhaite aussi. Là, même hein, carrière. je lui souhaite ça, ça surtout qu'en plus, comme tu l'as mentionné, c'est qui la première option offensive des hawks dès le 16 octobre Ça va être John Collins hein, en termes de, de ticket de shoot. Oh, je pense quand même que des Jérémy Lin ah, et des Trayang, ça va t'en prendre. C'est peut-être toi, et un Treyang, peut Treyang, aura plus de, ça de shoot. Ça va être assez équilibré quand même. Je pense que Collins pourrait bien prendre oh, euh, ça. Ça va être 15 Jérémy Lin il va prendre des tirs. Voilà, c'est la saison des hawks. Jérémy Lin il va prendre des tirs. Trayang aussi, ouais, et eh bien justement, j'enchaîne avec Monsieur Treyang Ah là 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 là, le sacré Treyang, le meneur de, de l'Oklahoma qu'on a vu, qui a fait la hype évidemment toute euh, l'année en NCA sur le circuit universitaire. En fait, j'ai très hâte de le regarder. Pour plusieurs choses, en fait, pour les montagnes russes qu'il va apporter, ça, parce que sûr. ça va être une galère. La première fois qu'il va se taper Westbrook, la première fois qu'il va se taper même un Frank Nikina en défense tout-terrain, euh, un pas de Beverley non mais tu vois, mais même un Lonzo Ball, ça va être très très le chaud. Le pire pour lui, c'est les, les petits teigneux qui vont défendre ah, être, sur lui comme des chiens. C'est ça, ça va être horrible. C'est ça le pire Parce pour que lui. physiquement, il ne peut pas forcément tenir pour le moment et ça va être très dur pour lui, mais en fait, j'ai hâte de voir les moments d'explosion. Parce que je crois quand même, comme on l'a vu un petit peu en Summer League et on va le voir tout au long de sa première saison rookie, quand il va gagner en rythme et qu'il va comprendre c'est quoi un peu la NBA, ça m'étonnerait pas qu'on ait des cartons où tu te dises wow, ok, en fait le mec a créé une vingtaine de points là juste à lui seul, oui, oui, juste en spaceant le terrain et en créant derrière les pick and roll. Il quoi. va vite, il a un bon handle, il a de la vision. Ça. Et, et en fait, qualité. ce que j'ai surtout très très hâte devoir, et ça c'est la base de n'importe quelle franchise qui essaie de reconstruire, c'est la relation entre lui et Lloyd Pierce. C'est les deux qui vont être à la tête vraiment de ça. Lui, il s'entend déjà très bien avec John Collins. Ça va être très important, ça va être les deux gars qu'on va avoir le plus possible. Un les hoops de Triangle et John Collins, moi je vais avoir la trique, c'est normal. Donc Triangle, attention Saison rookie, j'en mets pas trop des caisses, je pense que même certains le mettent dans la course rookie de l'année, j'y crois pas plus que ça moi personnellement aujourd'hui, parce que je pense que ça va être tellement montagneux. Il va avoir du temps de jeu hein, quand même. Et les résultats des hawks vont être sympas, donc, euh, donc du coup j'y je, je, vais euh, calmos. T'attends quoi comme genre de stats Comme ça pour parler stats un peu. 13 points et 8 passes. Ah ce sera serait bien, ça serait super. 13 points et 8 passes de moins, 13 points et 7 8 passes de moins. Si mais que 13 points. Avec ces 5 il a des pourcentages dégueulasses par contre. Ouais, met ouais, que 13 ouais. Non, les il faut faire gaffe des saison rookie, à mon avis, les gens vont, vont, vont prendre cher, et lui aussi, parce qu'il va se faire défendre comme un intérêt. De toute façon, c'est quoi le scouting report de Ox aujourd'hui Fermez triangle, tu fermes l'équipe. Ah bah, Donc c'est pas compliqué. Voilà. Ah, c'est comme bien. ça. Jeremy, mais quoi. tout ça va devoir, ouais, Charmin aussi. Mais tout ça va devoir nous mener un pronostic. Allez, je crois, t'es chaud The first one C'est l'heure du pronostic Pronostic Time avec Alexinator. Ah, le bon visu de retour, Alex. Est-ce que t'es chaud Allez. 24 secondes pour nous résumer la saison des Hawks. Attention, ça va être à 3 dans 3, 2, 1. Top chrono. Dernier de l'Est, sans surprise. Je leur donne 18 victoires. C'est moins que l'année dernière. Honnêtement. Euh, je pense qu'il y a des équipes autour d'eux qui ont des objectifs un petit peu supérieurs en termes de, de, vite, de nombre de matchs gagnés. Mm -hmm. je pense que les hawks en ont mais absolument rien à foutre, rien à foutre cette année. je pense que l'objectif des hawks cette année il y en a un c'est voir ce que ça donne avec un maximum de temps de jeu possible avec trey young et john collins ensemble sur le terrain. voilà le reste. 18 ans. le reste voilà c'est de, de la sauce qu'on verra pour l'année prochaine. parfait. Magnifique chrono de 40 secondes, <laughs> on reprend sur des bonnes bases, ah oui, ah moi ben je suis d'accord. Et bien eh ben, écoute, je vais essayer de partir sur le même, 3, 2, 1, go euh, 17 Victoire. j'en mets juste une de moins, je pense que comme tu l'as dit, euh, tanking maximal. On n'en a rien à foutre, notre pick nous appartient, on va juste regarder avec le popcorn à l'Ulta des Cavs, dont on a le pick aussi, protégé indice, et celui des Mavs. Euh, très intéressé en effet par de John Collins, qui peut même être encore plus que les stats que t'as dit, je pense que vraiment il a du potentiel offensif. Attention, Ken Basemore les transferts. Attention, Miles pas mis les transferts. On va tanker ça très gentiment. Euh, jeunes, un nouveau coach, un nouveau stade. Tu gagnes de pas de match. Ça, tu pas ouais, de match. Pas. Que ce soit à l'Est ou même en Pro A, ou ouais, je ne je sais pas. où. J'ai pas envie, Alex. Je pense que 17, c'est déjà un plafond. Voilà un petit peu pour cette première preview. C'était la première preview des 30 previews en 30 cool. jours. Cool. On Donc a bien reste commencé. 29. Il en 29. Soit 9. à peu près une par jour. Tout euh, à fait. Les 29 On va commencer jour. par la merde. On va pouvoir enchaîner avec du lourd. Justement, du lourd. Alex, est-ce que tu as un indice ou pas Ouais. On va partir en Californie. Ok, à la prochaine. Ciao, Ciao.